connu la musique classique parce que je suis née dans une famille de musiciens. Mon père est altiste et ma mère pianiste. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours connu. À la base, je faisais du piano. J'avais une grande sœur qui faisait déjà du piano. Donc pour qu'on fasse tous quelque chose de différent, mes parents m'ont fait découvrir le violoncelle. Non, maintenant, je suis vraiment indécidée. Mais c'est le côté très chanté qu'on peut trouver, très expressif, je trouve. Moi, j'aime beaucoup les musiques d'ensemble. J'aime pas trop jouer toute seule. Et j'aime beaucoup la musique de chambre, découvrir des pianistes. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais, ça procure des émotions quand même qui sont fortes. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est quelque chose d'indescriptible, hyper. C'est une manière de s'exprimer qu'on pourrait pas connaître autrement qu'en jouant, justement. En fait, quand j'ai commencé à me dire que j'allais faire de la musique plus tard, j'avais pas vraiment pensé justement à la scène. En fait, je voyais ça comme ce que je faisais chez moi ou en cours avec mes profs, parce que quand on est petit, on joue pas très souvent en fait sur scène. Et que je découvre, c'est au CNSM que j'ai vraiment découvert ce que c'était que le rapport à la scène. Parce que finalement, avant, on le connaît pas trop, à part les auditions de classe ou... Mais ce que j'aime bien et ce que j'aimais toujours aussi dans les auditions, c'est qu'on travaille beaucoup des choses. Et une fois qu'on les joue, c'est l'accomplissement d'un travail qu'on partage avec des gens qui nous écoutent et qui, j'espère, aiment ce qu'on fait. Mais je pense que, de toute façon, on manque souvent de recul par rapport à ce qu'on fait sur scène. Donc il faut juste jouer, essayer de transmettre un maximum nos émotions sans se poser la question. Pour moi, c'est une énorme chance déjà de faire cette vidéo qui offrira une grande visibilité et aussi l'opportunité de jouer, de découvrir des nouveaux musiciens, des chanteurs aussi. Et voilà.